de 31 espèces ont disparu en 2020. Des amphibiens, des plantes, mais aussi certaines espèces de poissons ou de chauves-souris. On apprend également dans cette liste que les dauphins sont en danger critique d'extinction. Le koala et l'ours polaire sont eux aussi en sursis. La perte de la biodiversité, Jean-Luc, est une des conséquences tragiques du réchauffement climatique. Et puis Catherine, c'est la troisième agression de ce type depuis le début du mois de mars. Cette fois, c'est un étudiant de 21 ans qui se trouve dans un état d'urgence absolu après avoir été molesté par une dizaine d'individus cagoulés, puis jeté dans la Seine. Tout à fait, Jean-Luc. Non, mais c'est pas possible. En marge du rassemblement contre les violences faites aux femmes, organisé suite au meurtre de la jeune Sophie, qui avait succombé sous les coups de son mari. Qu'est-ce qu'il y a? Écoutez, jeune homme, va falloir arrêter tout de suite ce que vous faites parce que je vais appeler la maréchaussée. De quoi? Monsieur Fourniquet, vous n'êtes pas sans savoir qu'il est interdit de battre sa femme. Je ne vais certainement pas laisser se produire un nouveau féminicide. Vas-y, casse-toi. Eh mais tu veux pas t'en prendre à quelqu'un de ta taille? Venez avec moi, mademoiselle, je vais vous préparer une petite camomille romaine pendant que monsieur réfléchit à ses actions, n'est-ce pas? Ah! C'est qui celui-là? C'est mon grand frère. Non mais barrez-vous de chez moi, les deux bouffons, là.